Livre, L'Afrique, de Kimbangu à Kagame. Auteur, Celso Sales. Simon Kimbangu et Paul Kagame, deux entités africaines de premier plan, chacune à leur rythme, qui finissent par prendre le sommeil de l'Occident. Kimbangu pour le grand héritage qu'il a laissé dans le domaine matériel et spirituel et Kagame pour les résultats obtenus durant son mandat au gouvernement à la tête du Rwanda, gérant de manière beaucoup plus adéquate le mode de vie africain. Encore un livre extrêmement courageux de l'auteur afro-brésilien Celso Sales, résidant en Angola en 2021. Lorsqu'il a écrit ce livre, une série de certitudes et de vérités doivent être réfléchies. Simon Kimbangu, fait prisonnier belge pour avoir assumé un christianisme avec une posture chrétienne très différente de celle adoptée par les colonisateurs européens de l'époque. Il fut emprisonné pendant 30 ans et pourtant, métaphysiquement, il accomplit d'innombrables miracles. Cela démontrait que le Christ n'avait rien à voir avec le processus de colonisation de l'époque. Paul Kagame, avec une histoire en cours au moment où ce livre est écrit, qui a affronté un pays d'innombrables confrontations, lui donnant des chiffres positifs, bien au-dessus de la moyenne d'innombrables pays à l'intérieur et à l'extérieur du continent africain.